Marie-Paul Kenny l'a souligné pendant son intervention, la mise au point des vaccins contre la COVID-19 dans des délais si courts a été un véritable exploit scientifique, mais ça a aussi été un exploit industriel. Et pour parler de ces aspects industriels, je reçois Frédéric Tack. Bonjour Frédéric Tack. Vous présidez le comité vaccin du LEM, les entreprises du médicament, qui est une organisation professionnelle qui regroupe les entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique qui opèrent en France. Début 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 a déferlé sur la planète. Moins d'un an plus tard, donc, plusieurs vaccins sont disponibles. Nous allons voir ensemble ce qu'il faut retenir de cet exploit et comment l'industrie s'est adaptée et quelles leçons elle a tirées, surtout de ces mois particulièrement intenses. Donc, première question, habituellement, combien de temps prend le développement d'un vaccin? Comme les intervenants précédents ont bien expliqué, les essais cliniques ils sont essentiels dans le développement d'un vaccin. Et nous ne sacrifions jamais dans la qualité de ces études pour aller plus vite. C'est vrai que nous avons eu une vraie accélération dans les phases de recherche et développement pour les vaccins COVID par rapport à un temps normal, où ça prend entre 8 à 14 ans. Et ici, nous avons vu que c'était tout à fait faisable de garder la rigueur que nous avons toujours dans nos phases de recherche, mais en même temps accélérer pour rendre disponible un vaccin de qualité à la population. Donc, comment on l'a fait pour rendre plus dans les détails de votre question? Donc, il y a toujours les phases précliniques qui sont faites dans les laboratoires, sur la cellule et les animaux, où nous allons récolter des données sur la façon dont le vaccin réagirait dans l'homme. Et ça, c'est toujours en amont, avant qu'on commence les études cliniques, c'est-à-dire les réalisations chez l'homme. Et donc ces phases, ces études cliniques, qui sont divisées en plusieurs phases, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La phase 1, c'est d'abord un test qui sera fait sur l'innocuité du vaccin. Ça se fait souvent avec un petit nombre de patients sains, dizaines, voire peut-être une centaine de personnes. Ensuite, après analyse de ces données-là, nous passons à la phase 2, qui est une phase où on va tester la réponse immunitaire des vaccins. Sur une échelle un peu plus grande, des centaines, voire des milliers de personnes, où nous allons tester non seulement la dose qui serait nécessaire, mais aussi le schéma de vaccination et aussi le mode d'administration qui sera le plus adapté pour le vaccin. Et ensuite, avec tous ces éléments-là, nous passons à la fameuse phase 3, où on passe à une plus grande échelle, des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes, comme on a pour les vaccins de COVID, où on va tester l'efficacité et la tolérance pour, après, déposer tous ces résultats du préclinique jusqu'aux phases 3 aux autorités pour qu'ils puissent analyser et évaluer la balance risque-bénéfice et voir si les bénéfices sont bien supérieurs par rapport au risque qu'une vaccination puisse avoir. Et ça ne s'arrête finalement pas là non plus. Il y a toujours un suivi, comme vous l'avez entendu de Dr. Kinney, il y a un suivi qui s'est fait toujours post-commercialisation, post-autorisation, soit par les labos dans les études observationnelles, on va continuer à suivre ce qui se passe dans la vraie vie, mais aussi la pharmacovigilance. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites pour assurer que ce qu'on a vu dans les études cliniques sont reproductibles dans la vraie vie. Donc, c'est vrai que le COVID-19 a tout bouleversé, hein. Les entreprises ont dû imaginer et mettre en place d'autres stratégies pour permettre une mise à disposition en une année au lieu d'avoir 8 à 10 ans pour arriver à mettre quelque chose sur le marché. Sachant qu'en plus, à chacune des étapes que vous décriviez, préclinique, clinique phase 1, phase 2, phase 3, on peut être forcé d'abandonner le vaccin ou le médicament qu'on développe parce que, il va y avoir des effets secondaires importants. Parce qu'on va être... Donc il y a aussi un taux d'échec qui est relativement important en général dans l'industrie pharmaceutique quand on cherche un Exactement. En médicament. général, on parle souvent de 10% des études qui ont commencé en phase 1 vont aboutir finalement. Donc, il y a 90% des échecs. Donc, c'est un métier qui est forcément à risque. L'innovation, c'est pas sans risque. On entend peut-être moins maintenant, mais il y a quand même déjà beaucoup de sociétés qui n'ont pas pu arriver à mettre leur vaccin à la disposition de la population. Heureusement, on n'a pas 3, 2, 2, 3, on a déjà 4, peut-être un cinquième vaccin qui va arriver sur le marché européen bientôt. Et de nombreux autres en développement, comme on le disait tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et en ce qui concerne justement l'étape suivante, une fois que les autorisations de mise sur le marché ont été obtenues, il reste encore des difficultés. Tous les aspects logistiques, les aspects aussi passage à une production industrielle, j'imagine que ça ne se fait pas simplement et que là encore, il a fallu trouver des solutions dans des délais si courts. Est-ce que, alors, comment est-ce que ça s'est passé?
On peut avoir des énormes ou de nombreuses difficultés qui peuvent être rencontrées. Je pense qu'on va commencer d'abord avec à réaliser ce qui est demandé des industriels. Dans un temps normal, l'année passée, par exemple, si je prends tous les producteurs des vaccins, avec tous les vaccins confondus, on produisait 5 milliards de doses. Maintenant, pour le vaccin Covid, juste pour le vaccin Covid, il y a déjà une demande de faire 3 fois plus. Comme vous l'avez entendu de Dr. Fischer, 10 à 15 milliards de vaccins que pour le Covid, en même temps, assurer qu'il y a le 5 milliards pour les vaccinations de routine sont bien maintenus, bien évidemment. Donc il y a déjà cette échelle qui est énorme. Et on part de rien. On n'avait pas des volumes disponibles pour compenser les problèmes de production qui peuvent toujours émerger au cours de la production. Et donc, on est limité à ce qu'on peut faire. Et en aucun cas, nous allons précipiter par rapport à la mise sur le marché en détriment de la sécurité et des qualités des vaccins. Ça ne fait pas partie de notre ADN. Mais cette remontée en charge, ça met à forte tension toute la chaîne de production, des fournitures de matières premières, mais également les très grandes quantités de nombre de flacons diluants des aiguilles qui sont très importants, les équipements dans les sites industriels qui sont quand même de high-tech, mais aussi, et quelque chose qui est souvent oublié, avoir suffisamment de salariés qui sont formés, certifiés, qui disposent d'une certaine expertise pour faire le travail dans les usines. Et ça, c'est juste la partie production. Comme vous avez bien décrit, il y a toute une phase distribution à laquelle ça rajoute aussi tous les logisticiens importants pour le stockage, la conservation au froid, la distribution autour du monde et finalement dans les différents centres de vaccination. Donc, c'est un métier qui est tout à fait à part, qui se construit souvent avec l'expérience. Et c'est pour cela aussi que nous continuons à élargir le nombre de collaborations entre les industriels. Les concurrents d'hier, maintenant, ils collaborent de plus en plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous rappelez, mais il y a 230, plus de 230 partenariats déjà pour la production des vaccins Covid. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y a encore des lignes de production qui ne sont pas utilisées actuellement. Et donc, oui, on le voit, ça a vraiment bouleversé la façon de produire des vaccins. Et j'imagine que vous allez tirer des leçons, des enseignements, qu'il va y avoir des retours sur expérience suite à cette année et aux mois qui vont encore se dérouler, enfin qui vont venir. Et quelles sont, selon vous, les leçons à tirer de cette crise? Qu'est-ce qu'il faudra retenir et qu'est-ce qui va vous permettre de mieux produire peut-être des vaccins à l'avenir ou En quoi est-ce que ça a questionné l'industrie? Il y a des leçons pour les industriels, mais il y a aussi des leçons pour la société en général, des choses que nous pouvons toujours améliorer. Je pense que l'importance de la santé publique, la notion de prévention n'a jamais été si d'actualité que maintenant. Nous le vivons tous face à cette crise sanitaire. Notre vie change drastiquement si la prévention et la santé publique n'est pas priorisée. Ensuite, il y a toujours l'importance de la recherche, la collaboration. Vous l'avez entendu de Dr. Kinney, il y a de nombreux partenariats publics-privés, les discussions étroitement entre les industriels et les autorités, même comme je viens de vous décrire, les partenariats entre les industriels. Et il y a encore beaucoup de recherches qui peuvent être faites pour mieux comprendre les menaces de demain et comment nous préparer. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Autre élément très important, non seulement pour les médias, mais aussi pour les autorités, c'est l'importance de la pédagogie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et je dirais même que l'importance d'aller encore plus loin est encore plus importante. La lutte contre la désinformation est hyper importante, et la vaccination, c'est un enjeu de confiance. Ça ne se construit pas sans la transparence et l'éducation, tout au long, de la vie. Et finalement, je pense qu'un point sur laquelle je serais vraiment triste si nous n'en profitions pas, c'est d'apprendre de l'expérience du Covid et trouver des pistes qui peuvent être pérennisées pour soutenir la vaccination, déjà recommandée. Il y a des vaccins sur lesquels nous avons un retard par rapport aux objectifs identifiés par les autorités. Et on peut apprendre de l'expérience Covid pour aider les autres vaccinations déjà de routine maintenant. Je pense par exemple à la grand nombre de professionnels. Non seulement les médecins, mais les pharmaciens, les dentistes, les pompiers, les vétérinaires, tout ce qu'on peut imaginer, on a déjà la capacité de vacciner. Pourquoi pas chercher à pérenniser certaines de ces activités-là pour aider les vaccins de routine maintenant et aider à atteindre les objectifs des autorités dans le futur? Merci beaucoup. Ben, espérons que cette crise permettra d'améliorer les choses en matière de vaccination, effectivement. Merci, Frédéric. Nous espérons aussi. Merci à vous.